Monsieur le ministre, j'ai bien compris le sens de ce don. Vous attendez de nous que nous puissions assurer une meilleure sécurité de tous nos parents paysans qui travaillent tous les jours justement pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire dans les zones de production de café cacao. Vous attendez également de nous que nous puissions travailler à réduire l'exportation frauduleuse vers les frontières des pays voisins de ces matières premières. Donc nous avons compris le message et avec le commandant supérieur de la gendarmerie, je veux prendre l'engagement de faire notre part pour améliorer cette filière, au moins du point de vue de la sécurité. Ce sont au total 15 véhicules flambant neufs de type 4x4 qui viennent d'être mis à disposition de la gendarmerie nationale via le ministère de la Défense par le Conseil du café et du cacao. Le type de véhicule offert allie performance, robustesse et sobriété. Dans son utilisation militaire, il est capable de transporter une troupe de la valeur du groupe d'intervention, peu importe le terrain pratiqué.